manipulation. On est dans une époque de grande manipulation. On est, pour la plupart, on est tous manipulés, tous conditionnés à penser comme on veut qu'on pense. C'est-à-dire que la manipulation aujourd'hui ou le conditionnement ne permet plus à ce qu'on puisse penser par nous-mêmes. On n'est plus libre de penser. Et lorsqu'on exprime notre pensée ou notre façon de penser qui peut être contraire à l'opinion générale, à l'opinion publique ou à l'idée qu'on a semée parmi la masse, on est aujourd'hui maintenant devenu un paria, on est facilement stigmatisé. Et il y a plusieurs manipulations. Il y a la manipulation sentimentale, il y a la manipulation émotionnelle, la manipulation politique, médiatique, mais en fait dans tout ça, tout est lié. Et on va servir souvent des mots. Par exemple, en France, la langue française, pour moi, la langue française est l'une des langues la plus riche, l'une des plus denses, bourrée de mots, bourrée de... On peut utiliser plusieurs expressions, il y a beaucoup de nuances. Et aujourd'hui, on manipule déjà, rien qu'à travers les mots, on manipule. Lorsqu'on te parle aujourd'hui de valeurs humaines, tu parles de valeurs humaines, directement on va dire que tu es un humaniste. Mais être humain et humaniste, pour moi, c'est pas la même chose. Tu peux être humaniste, d'accord, sans être humain. Et humain, d'accord, sans être humaniste. Pour moi, l'humanisme aujourd'hui, c'est prôner, d'accord, prôner le droit de l'humain sans lui inculquer ses devoirs. Et aujourd'hui, on ne peut pas inculquer aux gens des droits sans leur expliquer aussi le devoir. C'est comme un enfant aujourd'hui, on lui dit tu as le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça, mais on ne lui explique pas ce qu'il doit faire. Donc ce qui fait que quand il se comporte mal, on ne comprend pas, tout simplement parce qu'on n'a pas éduqué ou bien on ne lui a pas appris ses devoirs. Il y a des mots tels qu'aujourd'hui, le racisme aujourd'hui qui pullule. Quand on sait l'étymologie même du mot racisme, tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de race. Si on a une, c'est la race humaine. Le noir, ce n'est pas une race. Le blanc ou le caucasien n'est pas une race. L'arabe n'est pas une race. Le juif n'est pas une race. Qui encore? Le chinois n'est pas une race. Si on est d'accord pour dire que ce n'est pas une race, d'accord, pourquoi utilise-t-on alors le mot racisme? Le racisme aujourd'hui est tellement politisé, c'est tellement la politique qui est derrière. Le racisme aujourd'hui, par exemple, je prends les Noirs. Les Noirs, on va dire que les Noirs, sans conteste, font partie des gens les plus méprisés dans le monde. On a développé ce racisme-là. Bon, le racisme s'est développé au cours de l'esclavage, c'est encore développé à l'époque de la colonisation. Et puis, ça s'est développé. Et ça a pris, en fait, ça a pris en captivité, pour moi, les esprits les plus faibles. D'accord, ceux qui, réellement, ne savent pas qui ils sont en tant qu'hommes, en tant qu'humains, ne savent pas qui ils sont en tant que personnes, et ils se mettent à détester l'autre. Tout simplement parce qu'influencés par une politique quelconque, ou par de ce que les médias peuvent dire, ou de par les infos peuvent ici ou là relayer. Mais en réalité, ce n'est pas du racisme qui est envers le noir. Il y a quelque sorte de blé, il y a du mépris, c'est vrai. Mais en fait, on a peur. On a peur de l'homme noir. On a peur de l'homme noir pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait que ces gens-là sont assis sur des richesses incommensurables. Incommensurables. On se dit tout simplement en douce, si ces gens-là se réveillent, si ces gens prennent conscience de ce sur quoi ils sont assis, si ces gens-là se réveillent en prenant conscience de ce qu'ils sont réellement, C'est nous qui allons devenir quémandeurs. C'est-à-dire que la place à laquelle on a mis les Noirs aujourd'hui, au niveau de la conscience, c'est nous qui allons prendre cette place-là. Donc on a peur. C'est plutôt alors la xénophobie qu'il faut utiliser comme terme, et non le racisme. On peut prendre encore, quel mot encore qui me frappe à chaque fois et qui m'énerve? L'antisémitisme. L'antisémitisme. Qu'est-ce que l'antisémitisme aujourd'hui? Demande à tout le monde qu'est-ce que l'antisémitisme, on veut dire que c'est celui qui n'aime pas les juifs, qui déteste les juifs. D'accord? Il est contre les juifs. Aujourd'hui, maintenant, il y en a qui disent qu'ils sont antisionistes. Et antisionistes, on dit que c'est un mot pour cacher, en fait, l'antisémitisme. Mais si on va à la base même du mot, à l'origine même du mot, d'accord? Les juifs ne sont pas les seuls sémites. Ils sont encore plus loin. Aujourd'hui, ils sont encore plus loin. Les juifs d'aujourd'hui ne sont pas sémites. Ils ont épousé la foi juive, il n'y a pas de souci, mais ils ne sont pas sémites. Si on regarde, si on va même dans les écrits. Antisioniste aujourd'hui, quand on parle de sionisme, le sionisme vient du mot sion. Demandez à M. Valls ou à quelqu'un de politique aujourd'hui s'il peut nous donner la définition de sion. Qu'est-ce que sion? Qu'est-ce que sion pour que tu dises toi tu es sioniste? Et les gens participent à toute cette manipulation-là médiatique qui donne
qui en fait qui forge une manière de penser, qui forge une manière de réfléchir, qui forge une manière de regarder l'autre, qui forge une manière, ou plutôt qui crée ou qui suscite des réflexes. C'est-à-dire qu'on a, on entend tellement de choses, consciemment ou inconsciemment, on est tellement conditionné, comme je disais au début, que ça crée des réflexes. C'est-à-dire que quand je vais regarder le noir, je vais commencer à développer une sorte de méfiance. Quand je vais regarder le juif, je vais développer une sorte de haine, tout simplement parce que les mots ou les expressions qui sont utilisées autour de ces gens-là sont faussées dès la base. Et ce sont les médias aujourd'hui qui relaient cela, avec les politiques aussi, qui jouent sur ça. Ils n'ont pas aujourd'hui réellement l'intérêt de réunir les gens. C'est faux. Je prends par exemple, l'histoire de Malcolm X par exemple. Malcolm X au début, il n'a jamais été si connu que lorsqu'il était radical. Sachant que le radicalisme en fait est le fruit à la base d'une frustration, d'une injustice. L'injustice n'est pas réglée, l'injustice s'installe. Quand l'injustice s'installe, il y a des frustrations, des blessures qui ne sont pas soignées. Donc du coup, on se radicalise en pensée, en parole, en action. Malcolm X, il était radical. Radical, 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 radical. Pour lui, c'était les blancs. Les blancs, les blancs, les blancs. C'était pas totalement faux. Mais lorsqu'il est parti à la Mecque, et qu'il est rentré en profondeur de sa foi, et qu'il a vu qu'il y avait des blancs, des chinois, des noirs, des arabes, qu'il y avait toutes les nations, il a commencé à comprendre que c'est pas le blanc qui est le problème. C'est plutôt le système, la politique et tout ce qui va avec. Lorsqu'il est revenu maintenant de Médine, son discours a changé. Et il s'adressait maintenant aux autres. Il s'est ouvert aux autres pour rassembler. Mais lorsqu'il a commencé à faire ça, c'est là qu'il a été tué. Et toute sa vie qu'on raconte aujourd'hui, durant sa biographie, son cinéma, tout, on va toujours mettre le doigt sur son début, mais pas sur la fin. Or, la Bible dit, vaut mieux la fin que son commencement. On peut mal commencer parce qu'on a été conditionné. On peut mal commencer parce qu'on a été manipulé. On peut mal commencer parce qu'on a été influencé par telle histoire, par telle expérience, par tel problème, par telle information qu'on a eue, je ne sais où. Mais on peut bien commencer. J'en profite aussi même pour dire que pour tous ceux qui ont été manipulés par des gens en amour, hein, il y en a plein qui se sont fait manipuler, du coup ils ont été blessés, ils se disent on ne s'ouvre plus aux autres. C'est le but de vous fermer. C'est le but que lorsqu'on vous manipule, c'est que vous ne soyez en fait plus bon à rien. Et lorsque tu ne peux plus t'ouvrir aux autres, c'est que tu n'es plus bon à rien. Tu deviens un arbre mort qui ne produit pas de fruits. Et la manipulation aujourd'hui, nous sommes au siècle de la manipulation. Je ne dis pas qu'avant il n'y avait pas ça, mais aujourd'hui, avec Internet, avec les médias, avec tout ça aujourd'hui, on est dedans. On est vraiment plongé dedans. Alors, moi ce que je dis, c'est simple. Travaillez, disciplinez-vous, ou plutôt travaillons et disciplinons-nous à penser par nous-mêmes. À dire ou à oser dire que là je suis pas d'accord. Là je suis d'accord. On a tous adulé, il n'y a pas si longtemps, Mohamed Ali. Tous pour son parcours. Comme je dis souvent, on aime à célébrer les mémoires sans incarner ses meilleurs souvenirs. Il faut plus seulement célébrer la mémoire, mais il faut incarner ce que tel ou tel a laissé comme héritage afin de ne pas retomber dans les mêmes choses. Parce que les générations ont beau se suivre, mais aucune n'arrive à tirer le son. Je vous quitte, c'était la dernière chronique de la saison. Nous avons encore l'émission radio qui sera enregistrée d'ici là. Donc le podcast qui sera disponible sur ma page, Chronique Conscience Oblige, et sur Benson et Parole Bantou, et sur Mixcloud aussi, sur lequel vous pourrez aussi nous suivre. L'émission, on débattra de la manipulation. La vidéo, on ne peut pas tout développer, vous l'aurez bien compris. Je remercie tous ceux qui m'ont suivi dans cette nouvelle saison Conscience Oblige. Je vous donne rendez-vous en septembre, juillet, août, on sera en vacances. Il y aura quelques petites vidéos qui sortiront par-ci, par-là. Mais on reprendra en septembre. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Pensez par vous-même et soyez libre de penser. Soyez libre de dire ce que vous pensez. Sans avoir peur de quoi que ce soit ni de qui que ce soit. C'était Benson pour Chronique Conscience Oblige. Génération Kunzu. À bientôt.
Il y a quelques temps, quelqu'un m'interpelle et me dit, ouais, Ben, et tout. Souvent, tu dis, ouais, il faut marcher selon ses convictions. Voilà. Mais en réalité, c'est pas marcher selon ses convictions aujourd'hui qui va payer notre loyer. Je t'ai entendu parler. Il a avancé des arguments qui étaient plausibles. Je dis oui, c'est vrai. Mais en réalité, c'est pas vrai. Dans le sens où peut-être aujourd'hui que marcher selon tes convictions dans le système dans lequel nous sommes aujourd'hui ne permet pas à ce que justement tu payes ton loyer. Mais marcher en baissant son froc, en baissant son pantalon, pour être plus poli, ne paiera jamais ta dignité. C'est ce que l'homme en général a perdu. On a adulé Mohamed Ali, mais Mohamed Ali était digne face au système qui essaie de l'oppresser. Et c'est vrai qu'on peut avoir des valeurs, des principes. Et lorsqu'on intègre un système, pour plaire au système, on enlève toutes ces valeurs-là. On enlève tous ces principes-là. Eux diront que tu as évolué. Mais ta conscience chuchote à ton oreille, à ton esprit, que ce sont les mœurs qu'on a corrompues. Rien d'autre. À bientôt.